Jin Sakai? Eh bien, c'est un jeune samouraï à qui il arrive plein d'aventures. Je crois que je raconte tout. Il défend son île, voilà, chapeauté par son oncle. Non, je crois pas qu'on se pose ces questions-là. En fait, on cherche... on s'adapte au personnage qu'on nous donne. Voilà. Donc, le visuel qu'on peut nous donner du personnage sur le jeu vidéo, donc là, j'avais des photos du personnage, est assez important pour faire travailler notre imaginaire. Mais après, on nous prend pour ce qu'on sait faire, notre timbre de voix, c'est qui on est. Enfin, voilà. Très souvent, c'est la façon dont on va articuler le texte. Est-ce qu'on va le... Là, on fait en sorte que ça ne sonne pas contemporain, quoi. Il faut essayer de gommer, évidemment, l'accent parisien, s'il y en a un. Et puis, et puis voilà, c'est dans le phrasé. Il y a quelque chose d'assez poétique dans ce jeu. Comme c'est moyenâgeux, on cherche... en tout cas, on cherche à gommer tout ce qui peut sonner contemporain. Non, mais là, par exemple, il y avait quelque chose avec Jin Sakai qui est très solennel. Quelque chose de... Donc moi, derrière le micro, on me voit pas, je peux prendre les postures que je veux, si ça peut m'aider. Donc j'avais une attitude un peu droite. Voilà, on cherche, en fait. On cherche, puis quand ça sonne bien, on garde. Alors là, maintenant, c'est prêt, c'est en flux tendu un peu. Enfin, le jeu est terminé et pratiquement, et on intervient à la fin, on fait la VF. Voilà, puis il y a des retours au fur et à mesure, ils font des tests, et de temps en temps, il y a des retours, et il faut refaire par rapport aux traductions, parfois, il y a des changements par rapport au jeu. Voilà. Alors les cinématiques, maintenant on a pas mal de chance, on peut les voir, donc ça c'est vraiment bien, surtout qu'on nous... Maintenant ils essayent, ils veulent vraiment que ça soit cinématographique, donc ils essayent de nous mettre ce qu'on appelle la bande rythmo, donc de la même façon dont on double les films. Pour le comédien c'est quand même vachement plus pratique parce que ça nous permet de voir le personnage, quoi, en action. Le support de jeu, sinon c'est essentiellement le directeur artistique, qui donne les indications, le support VO qu'on nous envoie dans le casque, en fait, puisqu'il faut se conformer à la VO. Et puis voilà. Et puis après, on est devant un écran d'ordinateur, mais c'est uniquement des fichiers audio, quoi. C'est vraiment une question d'habitude. Logiquement, une fois qu'on a l'habitude, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de faire une fausse bagarre ou tout ça, voilà. Il y a des jeux sur lesquels on s'amuse à les faire. Vous avez des personnages... Bon, là, c'est un personnage assez solennel et tout ça, mais il y a des jeux avec des personnages excentriques, fous... voilà, c'est totalement créatif. On peut s'amuser énormément en tant que comédien. J'ai un très chouette souvenir, mais qui n'a absolument rien à voir avec le jeu en soi ou le... ou ce que j'avais à défendre, même si c'est que j'ai participé à un jeu d'après une BD d'Enki Bilal, et le premier jour, Enki Bilal était sur le plateau. Donc ça, c'était très sympa. Non, mais il y avait quelque chose de... Voilà, il est venu pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis au bout de 20 minutes, il a dit « c'est bon, il a compris le personnage, je peux partir ». Il m'a dédicacé une BD, puis il est parti. Je lui ai demandé, il m'a... Ouais, voilà. Je trouve que le mieux, c'est d'aller prendre des cours de théâtre, même si après on ne fait pas de théâtre, ça n'a aucune... C'est parce que c'est pour apprendre le jeu avec les autres, le rapport, la scène. Il faut travailler, quand vous travaillez plein de textes différents, on apprend énormément comme ça. Après, même si c'est un métier d'expérience, on apprend au fur et à mesure, mais... mais enfin bon, c'est vrai que bon, on peut très bien se jeter là-dedans comme ça.